Salut les VNL et VNL, je suis content de vous retrouver pour la 17e édition des SDLS de l'année 2023. On va débuter celle-ci en parlant d'un festival, le Baïa Rock Festival, qui se déroule le 27 mai 2023 dans le 86 à l'espace Mérové. Vous pourrez y retrouver 1056, No Scientists, Birds in Row, Resolve, Alia Jack Test, The Dead Crazy Keys, Sorcerer, Hurricane et Topsy Turvies. C'est important d'aller soutenir des festivals comme celui-ci qui a débuté l'année dernière, qui a fait 450 entrées l'année dernière, donc ils étaient sold out. Cette année, ils reviennent, ils ont augmenté la jauge de 200 personnes et ils rajoutent des groupes. Donc l'entrée est à 29 euros. Bien sûr, vous aurez de la nourriture sur place, vous aurez plein de choses. Il y a énormément de prévention qui est faite à l'intérieur de ce festival. Allez-y, allez les soutenir. L'équipe est vraiment super sympa. Ils sont très pros. Donc rappelez-vous, Baïa Rock Fest, le 27 mai, à l'espace Mérové, dans le 86. On compte sur vous pour vous y rendre. C'est très important. La semaine dernière, je vous ai proposé de gagner l'album de Loco Muerte. C'est Laurence Bretigné qui a gagné cet album. Laurence, quand tu vois cette vidéo, tu m'envoies un petit message, s'il te plaît, afin que je te fasse parvenir ton album dans les plus brefs délais. Cette semaine, je vous propose de gagner l'album d'Aleister, Nightmare, dont l'interview est en ligne depuis hier soir sur notre chaîne. Pour gagner cet album, c'est simple, comme d'habitude, vous taguez, vous likez, vous partagez, et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de laisser un commentaire et un pouce bleu. On compte sur vous pour le référencement, c'est très important. Allez, on est parti pour les sorties de la semaine. Allez, c'est parti, et comme d'habitude, Trash Groove Crossover pour débuter avec Enforced et l'album We Remains. C'est des Américains, c'est du Trash Metal Crossover, et ça sort chez Century Media. Chez 18 Records, vous pourrez retrouver l'album Cryogenesis du groupe Extinction, c'est du Trash Death aussi, et qui nous vient d'Italie. Ils sont anglais, le groupe Nadir Possessed et leur album By Grandeur. C'est du progressive trash, c'est un EP qui sort en indé. Chez El Puerto Records, on va partir en Allemagne avec Necronomicon et l'album Constant to Death. Là aussi, c'est du trash. Toujours le même style, mais en Suède, avec le label Chaos et l'album Orbiton Wave du groupe Sentinel Sirens. Pour finir, l'Ukraine, avec du technical trash prog metal en indépendant. Le groupe, c'est Cosmic Jaguar, et le nom de l'album, c'est The Legacy of the Aztecs. Le Brutal Death, le Slime et le Grindcore avec Cadaveric Crematorium et leur album Zombology, c'est des Italiens, c'est du Brutal Death et ça sort chez Punishment 18 Records. On part à Taïwan pour un groupe de Brutal Death de nouveau, chez Brutal Mind. L'album c'est I'm at your disposal et le nom du groupe, Fatuous Rump. On part au Salvador avec le groupe Niasis et l'album Consumation Humana, c'est du deathcore brutal death metal chez The Slaughterhouse Records.
Pour finir, du brutal death metal qui nous vient du Pérou, chez Pathologically Explicit Recordings, le nom du groupe, Voracious Infection, le nom de l'album, Decrepexist. Le black, le death, le pagan, le folk et le viking. Chez Memento Mori, on va découvrir un groupe australien, Pustilence, et leur album Beliefs of Dead, Stargazer and Soothsayers. C'est du death metal. Toujours sous le même label, encore un album qui nous vient d'Italie ce coup-ci, avec le groupe Valgrind et l'album Millennium of Night Bliss. C'est du death metal là aussi. Le Costa Rica avec Corpus Necromantum et l'album He Who Suffers Knowledge. C'est du death black metal et ça sort chez Satana Records. En indé, un EP polonais de Black and Death Groove Metal, le nom du groupe Mismatched, et le nom de l'album Imperium Plagia. Du dépressif black metal australien chez Lupus Lunge, un album qui se nomme Corrosion of Hearts, le nom du groupe Auster. Black Mass Pervertor et l'album Dionysian, Right, c'est des Finlandais, c'est du black metal punk et ça sort en indé. Du death metal américain maintenant chez The Sharon Collective, le nom du groupe Burial Extraction, l'album A Shadow of Things to Come. On vient sous un label français Sidon of Mist et on part au Japon avec eux pour découvrir l'album The Highest Level du groupe Defiled. C'est du death metal. On part en Allemagne avec du black, un EP plus exactement chez Crawling Chaos, le nom du groupe Fiat Nox, le nom de l'album Opium to Insidious Slumber. La Tchéquie chez Einet Productionen, un EP de death metal, Death Birth du groupe Hypnos. Iron Master maintenant, des Suédois qui nous font un album de death metal, Weapons of Spiritual Carnage, chez Black Lion Records. Un EP de death metal, de nouveau en indépendance coup-ci qui nous vient des States, Vitriolic Awakening, du groupe Jaded Black. Un EP dans le même style que celui d'avant, mais il nous vient du Bangladesh, le titre Turaya, le nom du groupe Kal Akuma, et ça sort chez Nuclear Winter Records. Chez Dying Victim Production, un album de black thrash metal allemand, Monolith of Wrath, du groupe Lucifuge. Yeah.
Numéron nous présente Road to Valhalla. Ils sont indonésiens. C'est de l'atmosphérique black metal et ça sort chez Tragedy and Muse. The Dissection of Tragedy, c'est le titre de cet album qui nous vient du Canada. C'est du Black Death, ça sort chez Wormhole Death et le nom du groupe Ocular Trauma. Hammer Records nous représente un groupe suédois, Rune Magic, et son album Beyond the Cenotaph of Mankind, c'est du Death Doom. L'Espagne, avec le titre Into the Mephitic Abyss du groupe Sanctarium, c'est du death metal et ça sort chez Black Seed Productions. On revient chez Wormhole Death, mais on part au Costa Rica avec Unbound Prophecies et son album Waking Our Ancient Memories et c'est du death. Redefining Darkness Records avec un album qui nous vient des States de Death Doom Metal. Le nom du groupe Vadiat et le nom de l'album Spear of Creation. Voilà, nous présente l'album Release the Beast. Ils sont finlandais, c'est du black trash et ça sort chez Greddan. Chez Einhardt Productionen, on vous présente un groupe allemand, Fimbulvet, et son album Portal, c'est du Pagan Black. En Italie, avec du black, Ghostwort et l'album Scourge of Dark Dominion, ça sort chez Underground Cult Records. En indé, Nightgazer, c'est le nom de l'album du groupe The Swan Station, c'est du Melodic Death Deathcore et ça nous vient de Hongrie. Le Stoner, le Doom, le Sludge avec un groupe italien Crimson Dawn et l'album It Came From The Stars, ça sort chez Punishment 18 Records, encore eux, décidément cette semaine, et c'est du Doom Heavy Metal. Du Doom Metal mélodique Black Heavy en indé australien, Wild Horns et l'album On The Earth Under The Sky. Nothing But Nothing, c'est le titre de l'album du groupe Danava, ils sont américains, c'est du psychédélique stoner rock metal et ça sort chez Tipeee Records. Sous le label Benny, un groupe de stoner hard rock américain aussi, Karma Vulture, et le titre Something Better. La Suède, avec du hard stoner, qui sort chez DX, son album Game Changer, le nom du groupe Dead Express. Here with my cock and balls, I'm trying by the money force.
Fires in the Distance, c'est le nom du groupe qui nous présente Air Not Meant for Us. Ils sont américains, c'est du melodic doom death metal et ça sort chez Prosthetic Records. Chez Argonata, des Italiens, avec le groupe King Potnaz, et le nom de l'album Ghost Rider, c'est du Doomstoner. Un peu de God Doom maintenant avec Hypnotic Dirge Records, qui nous présente un album qui nous vient de Nouvelle-Zélande et d'Australie, Spleen, le nom du groupe Orphans of Dusk. Le dernier de cette série avec Wallowing et l'album Earth Reaper, ils sont anglais, c'est du Black End Sludge Doom Metal et ça sort chez Church Road Records. Le goth, l'indus, l'électro et le dark. Avec les States et le groupe Underst, l'album c'est Carnage, c'est de l'indus alternative metal et ça sort chez Sleep Trick Records. Le groupe Erdling nous présente l'album Bestia, ils sont allemands, c'est du dark goth metal et ça sort chez Out of Line. L'alternative et le prog. Red Shifts avec l'album Laws of Entropy, ils sont anglais, c'est du prog et ça sort chez Pale Wizards. L'expérimental, l'avant-garde et le post avec Chrome Waves, l'album Earth Will Shed Its Skin, c'est des Américains, c'est du post-black et ça sort chez M-Theory Audio. Chez Onism Production, un groupe de post-black metal shoegaze polonais, Mistral, et l'album In the Throes of Losing Love. Pour finir, un EP en indépendant, le nom du groupe Wazara, le nom de l'album Ombrain, ça vient de Suisse. Allez, on passe au coup de cœur. Et on va débuter, il y en a trois cette semaine, et on va revenir en 1987. Et oui, ce groupe existe depuis 1987. Il a fait partie de l'époque où le métal extrême commençait à acquérir ses lettres de noblesse sur notre territoire, avec certains groupes ayant contribué à cette reconnaissance. Nous pourrions citer Merciless, Loadblast, Massacra, Mortuary, Witches Aggressor, etc. Je m'excuse pour tous ceux que je n'ai pas cités, mais la scène était vraiment foisonnante à cette époque. Entre parenthèses, elle est toujours autant de nos jours. C'est peut-être pour cela que le groupe Aleister a décidé de rempiler pour nous offrir un concentré de brutalité et de violence. Après m'être entretenu avec eux, nous noterons que le groupe avait aussi pas mal de choses à exprimer en rapport avec tout ce qu'il s'est passé et tout ce qu'il se passe, d'où leur retour sur le devant de la scène. En 2019, le groupe avait sorti son second album, bah oui, faut le temps, et puis mieux vaut tard que jamais, donc No Way Out sort en 2019, a prouvé que nos vieux briscards en avaient encore sous la pédale. Du coup, on s'est dit que peut-être il faudrait pas attendre aussi longtemps pour voir pointer un nouvel opus. Du coup, 4 ans après, bim, le groupe nous balance ce petit EP de 7 titres tout de même, intitulé Nightmare. La rage est intacte, et même si nous aurions apprécié un opus plus long, nous n'allons pas cracher dans la soupe, et nous allons apprécier à sa juste valeur cet EP qui remet les pendules à l'heure et prouve que le groupe est toujours là, et en a encore beaucoup à dire.
Une prod en béton, des riffs qui font office de rouleau compresseur, une voix comme on l'aime, y a rien acheté dans ces 7 titres. Jetez-vous dessus, vous ne serez pas déçus, le plus moderne des groupes de trash old school. Deuxième coup de cœur, et nous allons rester en France pour celui-ci. Nous allons aussi nous tourner vers une musique plus moderne puisqu'il s'agit du parler du nouvel EP Plagued by Doubts du groupe de prog originaire de Poitiers, OSM. Après une sortie remarquée en 2019, notre combo Poitevin remet le couvert avec cet EP. Du coup, quitte à faire les choses, autant les faire bien, le Quatuor a décidé d'enregistrer dans le studio du Rivo. Quant au mix mastering, c'est Monsieur Chris Hendrich qui s'y est collé. Tu ne connais pas? Et si je te dis Devinton Said, The Ocean, Le Proust, Clone, etc., ça te parle déjà un peu plus. Et je suis sûr que tu comprends que le groupe a voulu frapper très fort avec cette EP. Et c'est réussi. Trois mots pour définir cette musique, son, lourd, mélodique. Voilà ce que représente la musique d'OSM. Vous allez pouvoir traverser tous les sentiments que l'on peut ressentir à la vision de la décadence de l'humanité à travers cette EP. Bah forcément, c'est pas joyeux. Cependant, le groupe arrive à nous offrir de véritables nuances à travers cet opus, les orchestrations n'y étant certainement pas étrangères, offrant à OSM sa propre patte artistique. Quand on voit l'évolution entre le précédent opus et celui-ci, on se dit qu'il va falloir garder le groupe à l'œil, car la suite promet d'être très intéressante. Un album à posséder, même si je dois l'admettre, je suis frustré, car j'aurais préféré une expérience musicale plus longue. Tant celle-ci fut agréable. Vous pourrez retrouver Plagued by Doubts chez Season of Mist. Pour le troisième et dernier coup de cœur, on ne change pas de territoire, mais on va du côté de Lille, dans les Hauts-de-France plus exactement, pour découvrir un groupe d'avant-garde black metal qui a vu le jour en 2019. Fardeau, de son petit nom, présente ici son premier album, The Den Has Become an Abyss. Le but de PNM, les deux protagonistes se cachant derrière ce projet, était simplement de ne se poser aucune limite dans leur approche du black metal, d'où la création de Fardeau. En 2021 et 2022, le duo présente trois singles qui ont été très bien accueillis par la presse et par les auditeurs qui apprécient ce style. Aujourd'hui, ils décident de passer la seconde et de sortir un premier album. Vous retrouverez donc 7 compos sur cet opus, vous proposant une musique où l'introspection est de mise. Pour les solos de guitare, vous retrouverez quelques invités tels que Patrick Lebec du groupe Améthyste, sur siégé sur le trône de la honte et du mépris, Nicolas Cornet de Balance of Terror et critique sur le titre Tête Traitor et Aube Dernière. Les guitares et les basses ont été enregistrées au Hub Studio. Quant à la batterie, elle a été laissé au bon soin de Thomas Bambino au Talking Studio. Chez Metal in Veins, nous aimons les groupes qui osent de nouvelles choses, et c'est exactement le cas avec Fardeau, qui nous offre un excellent album de black avant-gardiste qui respecte quand même les codes élémentaires qui peuvent avoir cours à travers ce courant musical. Un album à posséder qui laisse entrevoir un avenir radieux pour ce duo que nous serions curieux de découvrir en live. Ça y est, c'est fini pour cette semaine. La voix est morte, mais c'est pas grave. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir ces nouvelles sonorités. Vraiment, c'est un petit moment qu'on apprécie particulièrement chez Metal in Veins. Pensez à soutenir vos organisateurs locaux et vos groupes locaux. C'est très important, ils ont besoin de vous. Pensez à vos préventes pour tous les festivals français. Je parle pas du Hellfest, je parle de tous les festivals autour, il y en a énormément. Donc allez-y, faites votre choix, il y a de quoi faire, soutenez tout ça. Et surtout, restez curieux et curieuses, c'est très important. Allez, à la semaine prochaine, ciao !